Bonsoir Stéphane Ravier, merci d'être en direct ce soir. Vous êtes président du groupe Rassemblement National au Conseil municipal de Marseille et sénateur des Bouches-du-Rhône. Qui est responsable de cette situation? Les autorités qui n'ont pas su l'empêcher? Les organisateurs de ce carnaval? Les autorités n'ont pas voulu l'empêcher. Il faut savoir de quoi on parle quand on évoque ce fameux carnaval. C'est un carnaval politique et militant, organisé chaque année par tout ce que l'extrême gauche compte de groupuscules, de groupes, d'agités, d'individus plus violents les uns que les autres. Donc ce sont eux les organisateurs. Et ils l'avaient annoncé. C'est donc une véritable provocation qui a été organisée par ces gens-là. Et je note que la préfecture n'a pas voulu les empêcher de développer ce carnaval, ce rendez-vous. Alors il y a quelques milliers de Marseillais qui se sont laissés aller à participer à ce qu'ils croyaient être un moment festif, mais le moment festif a très vite laissé la place à des affrontements entre les militants d'extrême-gauche et la police qui a fini par intervenir une fois que les participants sont arrivés sur la Canebière en hurlant « Tout le monde déteste la police ». Donc je répète qu'il s'agit là d'un carnaval politique et militant, présenté comme tel par ses organisateurs. La préfecture ne pouvait pas ne pas le savoir et elle a laissé faire, alors que lorsque les restaurateurs ouvrent, il y a eu un restaurateur à Marseille qui a ouvert ses portes, il a été immédiatement sanctionné. Et là, par contre, on laisse faire. Donc je note que la préfecture, le ministère de l'Intérieur, sont très forts avec les faibles, et faible avec l'effort. C'est là le scandale, le double scandale de cette journée. Alors évidemment, je ne connais pas le carnaval de la Plaine, je ne peux pas savoir qui l'organisait, mais ce que vous nous dites, c'est que c'est à la fois aussi un défi politique d'une partie de l'échiquier gauche, la partie gauche, la partie très à gauche de l'échiquier politique, qui a pris, entre guillemets, non pas en otage, mais qui a drainé avec elle des Marseillais qui venaient simplement faire la fête. Mais ce qui frappe, au-delà des raisons politiques, qu'elles existent ou non, c'est l'absence de distanciation sociale, l'absence de port du masque. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, au-delà de la notion politique que vous évoquiez? Écoutez, moi les Marseillais qui, depuis, comme l'ensemble des Français, depuis un an, sont incarcérés, voient leur liberté individuelle être réduite jour après jour par un gouvernement qui est aux abois, qui est dans l'errement permanent dans cette crise du Covid. Moi, je peux comprendre qu'ils se soient laissés aller à vouloir participer à ce qu'ils pensaient être un moment festif. Il a fait très beau aujourd'hui à Marseille. Donc, on a cru qu'il s'agissait là d'un moment où l'on pouvait se réunir, danser, chanter, mais en réalité, il n'en était rien. C'était effectivement un véritable défi politique qui est lancé par l'extrême-gauche. Et la mairie de Marseille, dont la majorité est composée justement de ces mouvements de gauche et d'extrême-gauche, a donné le signal, elle donne le signal du laxisme permanent. Elle le fait sur le plan de l'insécurité, sur le plan migratoire, puisqu'elle ouvre le port aux associations qui récupèrent les clandestins en Méditerranée. Et par conséquent, c'est la porte ouverte à tous les excès, à tous les débordements, à toutes les provocations de son aile gauche, effectivement. Donc c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, et je note le silence assourdissant de la mairie de Marseille. Autre débat, évidemment, mais j'ai compris la tonalité de vos propos. Je vous pose, pour terminer, la même question que celle que j'ai posée à Éric Diard. Le fait que 16 départements, 21 millions de Français soient sous un confinement qui n'est pas vraiment un confinement avec des possibilités assez nombreuses de sortir, est-ce qu'au fond, ce n'est pas un message qui est adressé aux habitants des autres régions en disant « on ne risque pas grand-chose, on peut sortir, de toute façon, nous ne serons pas verbalisés, nous ne serons pas punis » La réalité, c'est que ça dépend des cas. Lorsque les Marseillais, je dirais les honnêtes gens, sortent après 19h, puisque maintenant le confinement, le couvre-feu est fixé à 19h, eh bien ils sont verbalisés. Et lorsqu'il y a ce genre de manifestation organisée par des mouvements politiques d'extrême gauche en l'occurrence, eh bien la préfecture reste l'arme au pied, sauf lorsqu'il faut intervenir, lorsque la situation a largement débordé le cadre festif. Les Marseillais qui ne sont pas, eux, politisés, qui ont participé à cette manifestation, eux, je les crois de bonne foi, parce qu'ils en ont ras-le-bol. Ils en ont ras-le-bol de cette incarcération qui dure depuis un an et qui n'a pas d'effet sur la crise sanitaire, sur la situation sanitaire, même si notre département des Bouches-du-Rhône n'est pas encore
concernés par un confinement. Et puis, vous le disiez, ce confinement, on appelle confinement une situation qui n'en est pas vraiment une. Plus personne n'y comprend rien dans la ligne du gouvernement, si tant est qu'il est une ligne. Il annonce un confinement, mais on peut sortir. Il annonce un document pour pouvoir sortir, mais finalement, il n'y a plus de document. Tout ça est tout à fait incompréhensible. Et chacun, désormais, prend un petit peu sa propre liberté. Merci beaucoup Stéphane Ravier d'avoir été en direct ce soir.